Allez, c'est parti, on va essayer d'aller débloquer le Afim. Je sais pas encore là tout de suite si ça va marcher. Comme j'ai pas l'exploration libre, eh ben on va faire un truc simple qui montre à quel point le jeu est complètement stupide. C'est que je vais partir sur une autre mission. Et puis je vais abandonner la mission. Et techniquement, je devrais rien perdre. Si je dépense pas d'argent obligatoire, alors il y en a même pas. Il n'y a rien de demandé à part... Si, il y a l'opérateur. Mais l'opérateur, je crois, est remboursé. Puisqu'il y a un prépaiement de 2800, ça se trouve, ça devrait couvrir les frais. Je vais gagner un réservoir d'urgence médium, alors je sais pas pour qui. Mais on va les débloquer via une mission, puisque l'exploration libre est verrouillée alors que ça n'a aucun sens. On va se prendre deux véhicules. On va se reprendre peut-être celui-là, comme d'hab. Peut-être même en prendre 3 au cas où. Peut-être même en prendre 3. Il est où mon step? Le step il est... Bah non, il est même pas chargé le step. Bon, il aura pas d'intérêt le step. Plutôt celui-là, il est déjà chargé. Viens voir de monter un petit détail sur le toit. Le module, c'est quand qu'on le débloque? Inexploré. Alors tu sais pas quelle mission c'est. Enfin, tu sais pas où elle est. Tu sais pas sur quelle carte, sur quelle région. Tu te débrouilles. Et tu pourras peut-être l'avoir. Et regarde, comme je disais, il est pas trop grand. Il est mal placé. Tu vois comment il dépasse? C'est dégueulasse. Horrible. De toute façon, comme tous les trucs, hein. Tu regardes toutes les ailes sur les côtés, elles sont toutes buggées. Hein. Les ailes à visser, tu regardes, elles sont toutes buggées, elles sont pas à la bonne hauteur. Ah, elles sont à la... Le truc à pied aussi, il a l'air d'être même pas au bon endroit. Ou les ailes sont pas assez grandes, j'en sais rien. Non, l'aile avant, elle est peut-être même pas assez à droite, à gauche, je sais pas. Mais on dirait qu'il y a plein de choses qui vont pas. Tu regardes celle-là, regarde la petite encoche. Alors, je peux zoomer. La petite encoche qui est même pas au bon endroit sur l'ouverture de porte. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus, c'était juste pour montrer ça, donc... Bref, hop, exigence, un opérateur, donc techniquement 200 mètres de portée, 20 mètres de hauteur, 50 mètres d'éclaireur partiel, ok. Marque les largages à la jumelle. Déploiement, pourquoi je peux pas me déployer? Parce qu'il me manque un véhicule avec des pièces? Ah, parce que je dois avoir trop de véhicules. Je dois avoir trop de véhicules. Je crois que j'ai trop de véhicules. Attends, on va regarder. Prix de vente. Ouais, heureusement que je peux y avoir nos mêmes prix. Hein. Je crois que j'ai trop de véhicules. Merde, faut que je rentre dedans. Retirer. Retirer. Je crois qu'il y a que deux places. Ouais, voilà, il y a que deux places. Il y a que deux places dans l'avant-poste que j'ai. Donc forcément, il me propose même pas d'y aller. D'accord. Du coup, le cas de Marshall, bah. Ouais, j'y vais en colis. J'y vais en colis, je vais même carrément retirer le cas de Marshall et plutôt prendre. Prendre mon Codeco qui est plus équipé en essence. Voilà, on va peut-être lui changer de peinture parce que je commence à en avoir marre de l'avoir. Ah, par contre c'est con, c'est que je sais plus quelle peinture je lui mettais, peut-être celle-là. Bon allez, c'est pas grave, ça change. Hop, déploiement. Tu risques pas de me faire apparaître au mauvais point. C'est parti. Donc normalement on devrait pouvoir faire une sorte d'exploration libre, hein, puisqu'on peut tout faire quand on est dans une expédition. C'est là où le jeu pour moi est totalement aux fraises. C'est qu'on devrait pas avoir la possibilité de faire des autres missions pour faire ça. Donc on va partir sur la mission qui est juste devant moi, je vais aller l'ouvrir pour qu'on la voit. Hop, alors elle est... C'est à droite, je crois. Hein. C'était celle là-bas. Non, je suis pas dans... Voilà, il suffit de tourner la caméra si vous êtes trop près d'un véhicule avec lequel vous pouvez changer. Et comme ça, c'est nickel, il va comprendre que vous êtes trop loin. C'est super. Alors, voilà. Donc, surgit de la poussière. Ne me demandez même pas comment j'ai réussi à amener le camion jusqu'ici. Tout ce que je veux, c'est le sortir de là. Croyez-moi, votre peine sera bien récompensée. Donc, on va couper le moteur. Donc c'est une mission qui se trouve sur Coconino, je le rappelle. Donc faut passer le point de passage. Bon, je vais pas vous le refaire, ça après la mission, la première mission de Coconino. Le camion est là-bas. Le camion est là-bas, donc va falloir que je trouve mon passage par contre. On va peut-être regarder un petit peu ce qui se trouve dans le coin. Je sais même pas si je vais pouvoir passer au-dessus du truc. Alors, par la droite ça a potentiellement l'air de passer, par la gauche ça a l'air plus simple. Par la gauche ça a l'air d'être tout plat. Faut juste que je traverse là le passage et après, ouais, ça passe, vas-y.
On va même pas regarder plus que ça, ça a l'air d'être ok. Sauf que là, ça va pas être ok, je risque d'abîmer le véhicule gratos. Ça va, ça passe. Ça passe. C'est parti. Oula, qu'est-ce que c'est que tous ces messages d'un coup? C'est pas logique, on est d'accord sur ce point, mais ça passe le temps. C'est horrible, comment veux-tu t'y retrouver dans tout ce merdier? Perso, je dois être trop vieux, mais je suis complètement paumé dans le jeu. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un trou. Merde, je me suis laissé avancer. Super, merci pour les dégâts, c'est gratos. Non, mais c'est vrai que le jeu est bordélique. Inutilement bordélique. Hein. C'est même pas un jeu de stratégie qui est compliqué à comprendre. Hein. C'est un jeu très facile qu'ils ont bordélisé eux-mêmes. Je pense que c'est une question de temps. De la patience, beaucoup de patience. J'allume le jeu dans 15 minutes, ça va barder. Alors, on devrait pouvoir faire de la découverte libre au départ, justement. Peut-être pour pouvoir prévoir notre cheminement pour une éventuelle mission, même si on ne la connaît pas encore. Ouais, non, mais... Ça devrait être des maps ouvertes comme SnowRunner. De toute façon, il n'y a même pas à négocier. Il y en a qui disent, c'est pas grave, j'aime le jeu comme ça. Bon, après, tu peux aimer le jeu comme ça, mais je veux dire, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, ça n'a aucun sens. Tu devrais pouvoir avoir ton garage ou au moins une partie des choses, quoi. Enfin, de toute façon, quitter la mission et puis, du coup, faire le plein du véhicule comme ça, ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire le plein du véhicule en quittant la partie puis en revenant, quoi. C'est... En fait, tu peux explorer. Ah, merde, je suis en panne d'essence. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais me téléporter au menu principal et puis ça va refaire le plein du garage, du véhicule, tout ça. Ça n'a aucun sens. Et puis comme ça, libre à chacun d'aller chercher des améliorations, des choses comme ça. C'est vrai, c'est que le jeu, tu peux pas le faire dans l'ordre que tu veux, quoi. Il est totalement dirigiste, le jeu. C'est, tu dois faire les choses dans l'ordre que les développeurs ont décidé. Tu peux pas aller chercher les véhicules, faire l'exploration, bon, il n'y a pas de tour de guet, mais découvrir la carte, reconstruire les ponts mobiles, éventuellement. Tu peux pas. Tu dois faire le jeu comme les développeurs l'entendent. Et ça, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Dommage, je suis parti, je regarderai la rediff. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage, Little Gamer. Désolé pour toi. Je sais pas si ça va bien se passer, on verra. Sympa les traces qui restent au sol en zone humide, ça permet de retrouver le chemin. Ouais, un petit peu, ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les pneus qui se salissent, qui prennent la couleur. Tu vois, là, ils se sont lavés dans l'eau et ils vont reprendre la terre. C'est incroyable. C'est incroyable, je trouve. Je crois pas que dans Snow, on ait ça. Bon, après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de terre aride comme ça dans Snow, mais... Regarde-moi ça, ils deviennent de plus en plus sales. C'est impressionnant, ce genre de truc, hein. Et pourtant, c'est le moteur de SnowRunner. Hein. Il n'y a pas de nouveau moteur ou quoi que ce soit. Hein. Bon, on va faire le tour. Je sais pas du tout où faut aller. Hein. Ça se trouve, on va trouver des drops. Comme ça fera le plein d'argent pour ce que je vais dépenser. Encore une nouvelle mission. Bon, identifier des zones, on s'en fout. C'est pas le projet d'aujourd'hui. Ah, il y a peut-être un pont là-haut à construire. Non. Ah si, il y a un pont à construire. Je peux éventuellement passer par en bas. Ça a l'air très chaud là-bas. Hein. Mais je peux éventuellement passer par en bas. Le pont, j'ai peut-être ce qu'il faut sur moi en même temps. Hein. Je dois avoir ce qu'il faut sur moi, donc je vais y aller. Je dois avoir ce qu'il faut. Oui, j'ai des pièces. Je crois que c'est des packs de 50. Et bah tiens, je peux le voir comme ça. J'ai 150 sur moi. Je dois avoir 50 à l'intérieur et 50 dans chaque caisse. Donc j'ai de quoi faire un pont de 75. Comme ça, ça me permettra d'avoir plus de facilité tout de suite. Même si j'ai l'impression de prendre de l'avance sur les missions. Et ça, c'est con, j'aime pas ça, mais... Voilà, 75, allez hop. Pont mobile. Pas mobile, mais pont mobile quand même. Alors, faut pas que je passe dans le truc bleu. Doucement. Je suis pas sûr que ça se débloque, mais on va pas passer dans le truc bleu quand même. Il est vachement loin. Hein. Il est quand même vachement loin. Hein. Je sais même pas si je vais avoir encore assez d'essence. Hein.
Ça a l'air quand même d'être bien bien loin. Hein. C'est pas incroyablement compliqué. Hein. Mais l'essence va couler à flot. Hein. Je viens de finir la carrière Wakefust, enfin, mais pas 100%. Ah bah si c'est pas 100%, t'as pas fini. Hein. Et j'ai pas regardé que j'avais un trou. C'est vrai, l'humidité sur les pneus, c'est balèze. Ouais, non, mais c'est cool, hein. Moi, ça, les pneus sont de plus en plus sales. C'est vraiment kiffant, ça. Il y a des trucs super bien dans le jeu. Hein. Mais pour moi, c'est dommage. C'est qu'il est accompagné de beaucoup trop de choses qui sont pourries. Pourries, pas assez développées. Oh, il y a une faille, là. Faut que je monte. Tu aides-moi, ça m'évitera vu que tu tournes pas. D'accord, t'arrives même pas à redresser le véhicule, ok. Tant pis, on va passer là-dedans. Hop. Ah merde, c'est une mission. Bah non. Pourquoi vous l'avez pas mis en jaune ou en bleu? Pourquoi c'est en orange? Débile ça aussi. Vous êtes bourré de couleurs. Il y a un Deltonien qui a fait les couleurs encore. C'est quoi ce truc? Je sais bien que c'est un Nico, une couleur de drop, mais. Alors, où est-ce qu'il est? On s'en approche, 220 mètres. Salut Grand Toaster. Bon, écoute, ça va pas mal et toi? On va peut-être remonter par là. Hein. Ah ouais, il y a le mec avec sa pagaie qui me dit viens par ici. Viens par là, le fun c'est par ici. Ah bah si le fun est par là, j'arrive. Ah, je demandais pourquoi j'ai des pneus de 51 pouces. Hein. Je sais bien que le véhicule est lourd, tout ça, mais... c'était quand même pas si haut que ça, là où j'ai commencé de monter. Mais... Merde. Entre l'AWD, le bloc diff, le truc des pneus, le treuil, des fois ça commence à être compliqué de s'y retrouver sur qu'est-ce qu'on doit désactiver, surtout que c'est plus la même touche que Snow, alors... Ah, là ça c'est un drop normalement. Ben bien sûr, fais-toi plaisir. 3 km/h, le pare-choc il encaisse même pas. Alors, oh, il y a des os. Ça devrait rapporter un peu de pognon, ça. Alors, c'est lui ou c'est pas lui? Oh merde, je suis pas sûr que ce soit lui. Oh merde, je suis pas sûr que ce soit lui. Oh non, me dites pas que c'est pas lui. J'étais sûr que c'était lui. Il me semblait que j'avais lu la mission, que c'était surgi dans la poussière. On dirait un Actaeon? Non, si c'est lui, si c'est lui, si c'est lui, si c'est lui, si c'est Nior. Si c'est Nior, c'est lui. Ah. Si, 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 c'est lui. Tout va bien. Tout va bien, tout n'est pas perdu. Et j'ai pas dépensé tant d'essence que ça. Tout va très bien, tout marche bien avec. C'est bon. Alors si, tu peux attraper le camion là. Mais t'es à 3 mètres. Comment ça, tu peux pas l'attraper? Ah, quand même. Ah bah Young, je me demandais si t'allais tirer un moment parce que il a fallu que je m'approche à 2 cm et... Ouais, bon, on va te remettre sur tes roues, hein, je crois. C'est chiant, le gonflage des pneus, t'es obligé de valider, tu peux pas quitter... Ah là là, les touches sont tellement mal prévues. Voilà. Allez, viens Pépère, on rentre à la maison, je te ramène. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que je te ramène d'ailleurs. Va peut-être falloir que j'étudie la question. Le Afim? Ah bah je peux pas te regarder, ça bug. On te regardera, je vais me garer à côté de toi. Faut que je regarde où est-ce que je te livre. Alors, hop, hop. Où est-ce que je dois te ramener? Faut que je te ramène à l'entrée au garage. C'est ça, hein. Attends, elle est où ma mission? Surgit de la poussière. Ramener le camion coincé. Ouais, c'est ça, c'est à côté de mon Côte-Co.
C'est à côté de mon Kotko. Bon, ça va, machine arrière toute, c'est bon. C'est bon, je suis pas inquiet. Alors, je vais te sortir de là. Oh putain. Ah là là, ça tourne pas, il y a des creux dans la flotte, c'est un délire. Allez, viens là. Que je te prenne dans le bon sens. Carrément. Oh les treuils, ils sont encore plus asthmatiques que dans Snow. T'arrives même plus à tracter un véhicule quoi. C'est un truc de fou. Non, c'est pas ça le bouton. Ah bordel de portel de mécanismes de SnowRunner qui sont... qui ont la vie dure. Toujours pas, y a pas de problème. On a la technique de Snow. Voilà. Oh si tu vas y aller. Oh si que tu vas y aller. Voilà ce petit Afim. Bon là il est dégueulasse mais là il est vraiment dégueulasse. Et surtout là vas-y pour faire une capture d'écran avec tous les logos dessus, c'est super. Bon, c'est pas grave. On va te ramener à la maison de toute façon. Et on pourra faire une capture d'écran une fois que je t'ai ramené. Bah non, tu vas disparaître, c'est vrai. C'est vrai que tu vas disparaître. Donc faut que je pense à faire une petite capture. Non mais sans déconner. Sérieux? Les développeurs qui ont même pas repensé à réparer les camions du jeu ou à leur faire le plein d'essence, les camions PNJ que tu tractes. C'est vraiment que ça sent quand même la bêta. Ça sent vraiment la bêta. C'est un truc de fou. Maintenant, je vais finir la deuxième map Evoline 2. Bonne soirée, c'est Bironner. Excusez-moi pour le message que j'ai pas vu. Tolinx, tu m'as bien fait rire avec le colis lave-linge. Le colis lave-linge? Ah oui, bah oui. Ah bah, c'est pas moi, hein, j'y peux rien, moi. Je suis tombé avec une bétonneuse, là. Apparemment, il y en a, c'est déjà arrivé sur SnowRunner. Parce que j'en ai parlé sur le Discord officiel. Apparemment, ça leur est déjà arrivé aussi. Ah, j'ai même pas allumé ton moteur, tiens, je suis con. Et si tu m'aidais un petit peu? Alors c'est con, c'est que je voulais faire une photo, mais évidemment il y a l'arbre. On va même pas le voir. Chouette, on va même pas voir le véhicule. On va essayer, on en fera une plus loin. Je voulais en faire une avec le marécage, mais... ça a l'air assez marrant à conduire, ce véhicule-là. Il a l'air assez original, hein. J'ai la... ouais, c'est tout bon. Devant le lac. Je suis pas encore devant le lac, faudrait que j'avance encore un peu peut-être. Ah mais je vais avoir des rochers, des arbres qui vont me gêner, bah oui parce que j'ai une caméra de l'enfer là. Si là c'est pas mal. Ah, le rocher qui tombe pile devant quand je dis c'est pas mal. Sans deck. Ah là là. Normalement le rocher on le verra pas. Allez c'est parti, je te ramène. Rallume ton moteur vu que je t'ai détaché, c'est vrai que tu désactives tout toi. Oula. Par contre l'avantage c'est qu'on peut le défoncer, de toute façon on sait pas celui qu'on garde et tout ça, donc c'est un arbre. Mort. D'accord, 20 dans le moteur. Ah oui, non mais on doute de rien là. 20 dans le moteur, mais allons-y, faisons-nous plaisir. D'accord. Ouais, je suis en marche arrière, t'aurais dû reculer toi aussi, hein. T'aurais dû reculer aussi, hein. C'est un peu l'objectif, quand tu recules, je recule, tu recules, je recule. Fais ton boulot, bordel, fais ton boulot, l'IA, là. Sans deck. Oh là 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 là. Comment passer d'un truc qui marche dans SnowRunner? Ah, bah oui, c'est plus le frein à main, RB, c'est vrai. J'ai tout maintenu, frein à main, mais c'est pas le bon frein à main, donc déjà j'avais un frein en moins. Super.
Ça promet, hein, si le véhicule il est tellement ras du sol qu'il passe même pas un arbre. Alors, ça serait bien, c'est que tu me laisses passer devant quand même. Putain. Tout ça parce que je suis obligé de passer 50 mètres plus loin parce que on peut pas passer un arbre mort. Puis alors là, pour qu'il passe lui. Oh là là, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Tu veux pas reculer, hein? Bah non. C'est tellement rigolo, hein. Lâche-le, 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 lâche-le. Je vois. Putain. Regardez comme c'est bien, t'as vu? J'ai appris le volant. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oh là là, tous ces bugs. Ouais, je peux que reculer, c'est ça comme. Putain. Qu'est-ce que c'est fun ce jeu, hein? Allez, vas-y, tire-moi à l'arrière. Ah, je vais carrément l'envoyer en bas. Ah ouais, bah tu vas pas aimer la descente. Hein. Je sens que je vais être obligé de descendre, quoi. Hein. J'espère qu'on peut remonter, mais... Allez, on va descendre. Hein. À moins que j'ai un appareil, j'ai quoi dans mon truc? Ouais, une ancre. Ça va pas me servir beaucoup, vaut mieux que j'essaie de redescendre. Je vais péter le véhicule, mais c'est pas grave, c'est cadeau. Alors là par contre tu m'épates, tu peux ni avancer, ni reculer, ni rien faire. Oh là là, mais la caméra, mais arrête! Putain, je peux pas voir une vue, sérieux? Oh là là! Putain, je sais même pas ce que je fais là! Je le tiens même plus, il est en train de glisser ce crétin. Tu veux pas reculer? Putain, la caméra est bloquée. Hein. Ah non, ça y est, d'accord, j'étais en vue interne, c'est vrai qu'on peut sortir du véhicule. Pourquoi l'arbre sur lequel j'étais planté tout à l'heure comme pas possible? Ah, il est trop loin de 10 cm, d'accord. Je comprends mieux. Comment est-ce que j'ai pu me mettre dans cette galère? Ça me dépasse. Ça me dépasse, vraiment. Comme quoi, un dépannage, une rage. C'est obligatoire, tellement c'est con. Tellement ils ont fait des passages impossibles à passer déjà en solo, mais alors en duo comme ça, vu que le camion il fait absolument n'importe quoi l'autre, c'est un délire. Ce qu'il y a c'est que... Je sais pas ce que je vais faire parce que... Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux à faire. Je pense que c'est ça. Parce que si je tombe en bas, faut que j'en utilise un deuxième. Le problème, c'est que l'autre, il est collé sur moi. Ça fait que je suis bloqué. J'ai du poids en plus. Voilà, merci. Ouais, tu peux descendre. Tu vas voir, c'est sympa en bas. Tu vois, il y a un bowling, il y a tout ce que tu veux en bas. Voilà. C'est faisable. Toi, je te préviens, je sais pas si t'as déjà arraché des pansements, mais... Ça va te faire un peu tout drôle. Pff, voilà, c'est pas ce que je voulais faire, moi. Pas ce que je voulais faire, mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Je vais bouffer. Ah, j'avais pas vu que j'avais plus d'essence. Bah bien sûr, j'ai fait 10 mètres. Mais c'est pas grave, j'ai plus d'essence. Je suis arrivé à la FIM, j'avais les 3 quarts quand même. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant à quel point les développeurs se foutent de notre gueule. C'est quand même dingue.
J'ai fait quasiment que du sur place et j'ai bouffé plus que faire tout le trajet. C'est n'importe quoi. Je suis obligé, hein. Je suis obligé, je vais le remonter, hein. Je vais le remonter si j'y arrive. Je suis passé pourtant ici tout à l'heure, non? J'ai galéré tant que ça pour passer? Non, en fait, ça passe. Ouais, bien sûr. Bien sûr, vas-y, retourne-toi, t'as raison. Retourne-toi. Putain, tout ça à cause de cette arbre de merde, hein. Si cette arbre de merde n'avait pas été là, je passais tout droit, c'était bon. Mais non, il fallait mettre un bel arbre à chier pour bien nous emmerder. Pareil que le rocher pour le Tatra en bas de la côte, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi aussi, j'ai été emmerdé pareil, je suis sûr qu'ils ont fait exprès. Bah, je pense que oui, hein. Je pense que oui, hein. Ah, j'arrive carrément pas à le... D'accord. Ouais, c'est pas grave, vas-y, allez. Ça commence légèrement à me prendre le chou, donc vas-y, tape dedans. T'accélères ou t'accélères pas? Mais non, pas l'arbre. Oh, qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con, mais qu'il est con. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Bon, bah si c'est ce qu'il faut faire, allez, on y va, vas-y, allez, youpi! Hop là, voilà. Allez, puisque c'est ce que tu veux que je fasse, le jeu... Voilà, t'es content? Oh, c'était rigolo, hein. Allez, je commence à même plus avoir envie de jouer proprement, tu vois. Le jeu commence de me dégoûter tellement dans ses conneries que j'ai même plus envie de jouer propre. J'ai envie de jouer comme un gros pourri à des moments, c'est un truc de fou. J'en ai ras le cul, ras le cul. Il y a toujours un arbre, une connerie qui t'ont mis exprès juste pour te faire chier. Des arbres d'ailleurs dans le désert, hein, bien entendu. Il y en a 300 000 des arbres dans le désert. Et forcément, ils t'ont mis des arbres morts pile poil là où c'est intéressant. Hein. Par contre, est-ce que tu peux tourner, en fait, le véhicule? Tourner, tu sais, la direction, il y a un truc qui s'appelle le volant. Ouais, non, 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 tu peux pas tourner. Ou éviter les arbres, hein, c'est comme tu veux. Je prends les deux. Je sais même pas si je vais pouvoir passer là-bas, si ça a l'air d'aller. Il faut que je le tire un peu pour... J'ai même plus envie de jouer propre, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je devrais même plus jouer à ce jeu, franchement. Jouer comme je le fais, c'est n'importe quoi. Oh, il y a encore des arbres morts, bah oui. Non mais, puis l'essieu est planté dans l'arbre, c'est ça? Je suis en train de l'étirer, c'est un truc de fou. Ah, d'accord. Ouais, non, mais bah ouais, hein. Ouais, ouais, non, mais les camions montent dessus, c'est vrai que c'est... Ouais, 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 ouais. Je suis en train de faire quoi, là? De monter sur un arbre, ou... Bon, il a l'air d'être sorti de son trou, là. J'avais l'impression de le voir continuer de bouger, là. J'ai failli faire une légère syncope à me dire que le camion se remet dans son trou. Et là, j'aurais pété un câble. Non, le camion. Le camion! Le camion! Mais qu'il est con, mais c'est pas possible! T'as combien de QI, toi? Deux? Putain, c'est incroyable! Et il est retourné dedans, hein. Non, il est à côté, là, ça passe. Ça passe! C'est pas la peine de faire un bug, ça passe, ça se voit. Tu passes là, hein. Y a pas de souci particulier. Hein. Putain, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Mais j'ai envie de péter un boulard. À chaque fois que je fais un dépannage, c'est la merde. À chaque fois, les dépannages. Uniquement les dépannages. C'est un truc de fou. Ah bah oui, j'ai attrapé l'arbre. Eh oui, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais pour mon petit Noël, c'était d'attraper un arbre avec un camion. Pour pouvoir l'arracher, bah oui, ça marche. Hein. Tout le monde sait que ça marche. Oh, j'en ai ras le cul de ce jeu. Tous les dépannages sont à chier, c'est incroyable. Ah, je peux même pas attraper le véhicule. Ouais, ça, c'est aussi une grosse prouesse technologique. Hein. Quand tu vas dans le menu,
Il met le frein à main. Quand tu prends le treuil, il enlève le frein à main. Pour être sûr que tu te pètes la gueule parce que t'as oublié de mettre le frein à main. Et que tu te dis, tiens, le menu, c'est bien, il a pensé tout seul à mettre le frein à main. Eh ouais, ah c'est beau. Hein. C'est beau, la prouesse technologique hein, des développeurs, bravo. Je crois que mon camion a fusionné avec un arbre et que je pourrais pas le récupérer. Ah, j'ai plus d'essence. Oui, j'ai plus d'essence, c'est vrai, j'ai plus d'essence. À mon avis, j'arriverai pas à destination, mais c'est pas grave. Oui, vas-y, le moteur, il en a vu d'autres. Tu peux y aller. Je crois que mon camion a fusionné avec un arbre et que c'est foutu. Non, c'est bon. Voilà, là, t'es assez treuillé, je pense. Ouais, t'en as vu d'autres. Alors là, l'arbre, j'ai l'impression qu'il a pas fini de bugger. Allez, un petit effort le Afim, merci beaucoup. Par contre, t'es sûr que t'accélères ou tu freines là? Parce que là, t'es monté dessus, hein. On est d'accord. C'est l'arbre encore qui me coince, l'autre? Ah, et c'est l'autre arbre, d'accord. Ok, bon bah voilà, on est passé de ça déjà. Pardon? Ah, si vous aimiez bloquer dans les pierres, achetez les cheveux. Bon app, Jérém Star, je suis désolé, j'ai encore pas regardé les commentaires, c'est vraiment compliqué de suivre. Ça y est, je suis sur le jeu, je t'ai envoyé ma situation sur Discord, je pense aussi que je sais pas m'organiser pour l'émission. De le faire trop dans le désordre, c'est grave. Pff, non, il n'y a pas d'ordre hein, pour le jeu. Il n'y a pas d'ordre spécial. Hein. Tu fais le jeu comme tu veux, hein. L'important c'est de pas avoir trop gros avec des véhicules trop faibles, quoi. Peut-être pas allumer le moteur, si je crois. Expédition Bugrunner Game. Ah non, mais toutes les fois on s'est foutu de Snowrunner en disant ah c'est Bugrunner. Non, c'est, il est là. Ça y est, il est sorti Bugrunner. Ça y est. Il est sorti, je fais du 2 à l'heure, c'est un désastre. Il a le moteur allumé derrière, on se demande à quoi il sert le moteur. Je pense que c'est pour l'allume-cigare et la clim. Parce que là, j'ai pas la sensation qu'il m'aide. J'ai l'impression de le tracter, sans rien faire. Je crois qu'il y a des failles un peu partout. Ouais, j'aurais pu passer à droite en fait. Hein. J'aurais pu passer à droite au lieu de me foutre dans ce bordel là. Et de taper encore un coup. Non, c'est bon. Bon, là ça va, au moins ça passe. Recule-le sur le plat, ouais, j'aurais pu. Plus tôt de batterie sur mon portable, le visionnage dans un train, ça consomme. Eh ben, bonne soirée à toi, plus. Désolé, instant Steph, si je t'ai pas vu à temps. Tu commences à faire l'émission facile, puis normal, difficile, Alex, tu galères trop. Oui, il y a ça éventuellement, oui. Bon, après, le problème, si on galère, c'est parce que le jeu est codé comme n'importe quoi, hein. Parce qu'en fait, galérer, c'est parce que t'as pas d'essence pour faire 400 km, quoi. T'as de l'assez d'essence pour faire 150 mètres, mais... De toute façon, c'est marrant, quand tu regardes dans le menu, tu vois la distance que tu peux parcourir avec le véhicule, il y a écrit 1000 mètres. Ça pose de problème à personne. C'est pas 1000 km, c'est 1000 mètres, hein, il me semble. Ou 4000, t'as peut-être 4000, mais ça fait 4 km, c'est quand même faible, non, pour un véhicule, non. Et pour un poids lourd, j'en parle même pas. Mais, je sais pas. Ah merde, faut que je passe là-dessus, moi. J'aurais peut-être dû passer à droite, mais ça passe. Ça a pas l'air spécialement compliqué, à part la zone où je me suis emmerdé, là, tout à l'heure. Et là où je vais le caser dans le trou. Ouais, et viens par là. Ouais, j'ai pas envie de me retourner, mais... Voilà, c'est bon. Alors, les bidons sur le toit ont bien disparu. J'ai pas regardé s'ils disparaissaient progressivement ou si tout disparaissait d'un coup. J'ai pas fait gaffe. On a largement fait le plus dur, faut juste que je trouve mon chemin tranquillement là. Ça devrait y aller. Ouais, bien sûr, 5 dans le moteur, t'as raison. Si vraiment t'as une manifestation, si jamais tu commets un braquage d'une banque, tu mets des cailloux sur la route. Tu verras, le camion des SWAT, il va prendre des dégâts dans le moteur, c'est impressionnant. Hein. C'est dingue. Il est pas du tout blindé en dessous pour supporter les dégâts moteurs. Non, hein.
Il est juste blindé au niveau des vitres, c'est tout. Tout le reste, par contre, c'est une passoire. C'est incroyable. C'est tellement pas logique, ce jeu. Tellement mal conçu, tellement mal réfléchi. Ils essaient de te mettre une difficulté fantôme pour être fun. Alors que le jeu, en soi, n'a pas besoin de difficulté. Il en a pas besoin. Il suffit juste de faire des missions comme ça, un peu longues, un petit peu chiantes, mais... T'as pas besoin de rajouter de l'essence qui consomme de fou. Les joueurs vont prendre des mods qui vont cheater le jeu et terminer, ça sera fini. À quoi bon cheater le jeu pour ceux qui vont pas vouloir utiliser de mod? Enfin, péter le jeu pour ceux qui veulent pas utiliser de mod. Ça n'a pas de sens. Alors après, je sais plus par où je suis passé. Peut-être par en dessous. Je crois que j'étais venu de là-bas, hein, donc il faut que j'aille là-bas. J'avais dû longer, je pense, tout à l'heure. Bon, on va descendre. Ça va, l'essence, ça devrait aller. Ça devrait aller, on va voir. Il y a encore un passage dans la flotte qui va peut-être être chiant. Oh là là, regarde-moi ça, cette vitesse à laquelle je vais. Oh là là. Pourtant, le camion, il roule, il accélère. Hein. Incroyable. Incroyable. Faire pire que SnowRunner pour les dépannages, c'était pas gagné. Ils l'ont fait. Et les convois. Les convois, pareil, hein, c'est de la merde. Mais bon, vu que t'es obligé, parce que si tu changes de carte, tu peux plus revenir sur un véhicule d'une autre carte, c'est quand même très fort. C'est très très fort. J'ai hâte de voir le coop où quand il y a un joueur qui va changer de carte, tous les autres vont disparaître et changer de carte aussi. Parce que c'est la même idée, en fait. Hein. Sinon ils peuvent plus jouer, donc il faudrait qu'ils attendent qu'ils reviennent dessus, ça serait... Ah, ça serait magnifique. J'ai hâte de voir ça, moi. Alors, je suis peut-être passé par là, moi. Hein. T'as vu comment il m'aide? Il recule même pas. Hein. Il a le moteur démarré, pourtant. Hein. Troy, moteur démarré, il recule même pas. Hein. Quand je disais qu'il m'aidait pas, j'avais raison, hein, l'autre jour. Oh, c'est profond quand même, mais ça devrait aller. Par contre, j'avais pas fait gaffe, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'arbres là. Je sais pas d'où je venais tout à l'heure, peut-être d'un endroit beaucoup plus facile que là où je passe. Mais j'ai tellement pas relevé par où j'étais passé que je fais un peu à la devinette là. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. C'est... J'en rachèterai un tout neuf moi. J'ai pas besoin de toi. C'est bien, je peux reculer, au moins il recule pas. Ça aide. Écarte-toi des arbres, j'ai pas envie que tu t'ailles te caler dedans. Voilà. Alors j'avais quand même trois roues qui étaient sur la terre ferme. La dernière aurait pu suivre, moi je dis. Hein. La dernière aurait pu suivre. Bon, on va passer à côté parce que j'ai pas envie de perdre 4 ans. Ça devrait y aller. Hop. N'en parle plus. C'est bon, il a plus d'essence. Ah, ça y est. Il a plus d'essence. Je peux le démarrer, il quitte. Voilà, ça y est. Soit il est mort, soit il a plus d'essence, je sais pas. C'est la surprise. Faites votre choix, de toute façon, on n'est pas au courant. Donc voilà. Bon, ça va, je suis quasiment revenu. S'il y a besoin d'essence, j'ai le Codeco assez proche maintenant. Ouais, je le sens que je tire un boulet. Hein. Bon, pourtant, c'est un tout petit camion. Hein. Il m'a pas l'air beaucoup plus lourd que ce que j'ai déjà tracté. Hein, mais bon. Ça me semble un peu abusé. Hein. Allez, on y est presque. Et ben voilà, j'aurais débloqué encore un nouveau véhicule. Salut, Sacnot. Sans parler de te renverser avec un dévers d'une hauteur d'un trottoir. Ah, je trouve quand même que le jeu est beaucoup plus généreux et beaucoup mieux fait que SnowRunner. On se renverse quand même beaucoup moins, même s'il y a des moments où c'est un peu abusé. Je me renverse plus, par contre, ça c'est ce que je déteste, c'est quand tu descends une pente, tu freines et tu relâches et t'as l'impression que le véhicule ne comprend pas et du coup il finit par faire un salto avant ou à taper le pare-choc avant et à se coucher sur le côté, alors que normalement la gravité ça fait pas ça. Hein. Même si tu bloques un peu, tu te lèves un peu, ça fait pas à ce point-là. Hein. Donc... Je sais pas si j'ai le temps de lancer une autre petite mission derrière, parce que là on est arrivé.
On va aller le custom, on va aller voir dans la même vidéo, hein, on va continuer un petit peu de voir ce que c'est. Puis après, on va voir si on se fait une petite XP assez rapide pour éventuellement faire un truc avec lui. Je vais faire une petite photo au cas où. Hop. Être sûr d'avoir ce qu'il faut. Et voilà. Alors, il n'est pas gagné, hein, je le rappelle, il est débloqué à l'achat. Il est débloqué à l'achat. 6800 balles, voici votre récompense. Obtenir. Merci. Et qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, revenir au QG. Et voilà. Voilà. Le fait d'avoir une exploration libre ne sert à rien. Enfin, de l'avoir bloqué. Parce qu'en fait, tu peux le faire pendant n'importe quel contrat. C'est tellement stupide. Mais tellement stupide, c'est incroyable. Voilà. Comme si j'avais fait une exploration libre. Je me dis, tiens, je vais chercher le véhicule, je quitte. Pareil, pareil, même chose. Aucun sens. Aucun sens d'avoir bloqué cette foutue exploration libre. C'est dingo, quand même. Alors, le AFIM. 95 000 et il fait le café, j'espère, aussi, ce truc-là. Sans déconner. Bon, il a plus d'essence que le... Alors, 200 litres. 200 litres. Il a quand même 170. Je crois que c'est 10 de moins que le bandit, non? Bandit qui doit être bloqué, de toute façon. Ouais, c'est ça. 10 de moins que le bandit. 50 de moins que le Hank. Ah, il y en a encore pas mal à débloquer, hein. 4, 5. C'est ça, 5 véhicules. Bon, 5 véhicules de SnowRunner, donc ça va être un peu moins... Ça va donner un peu moins envie, mais bon. Bon, bah, on va l'acheter, mais par contre... Ouais. Parce que je voudrais bien le tester, moi, en fait. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, d'accord. J'avais oublié que ça remontait tout en haut. Ça, c'est très pratique. Ah, je suis dans scout. Oh, j'ai fait un arrêt cardiaque. Ah, attendez 2 secondes, j'ai fait un arrêt cardiaque. Je le voyais pas dans la liste, j'étais parti dans scout. Oh, j'ai eu tellement peur d'avoir payé 95 000 balles et qu'il soit pas là. Ouh, bon, moteur. Alors, j'ai déjà un moteur de dispo. A+, ok. Boîte de vitesse, bon, rapport élevé, on s'en fout. Suspension. Prends ton temps, hein, réfléchis. Kit d'élévation. Ouais. Oh là là, mais que c'est moche! Ah, je crois que Fonta vient de décéder. Ah, je crois que Fonta vient de décéder, là, de voir ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est moche. 7000 balles. J'avais débloqué le UAD4, alors c'était pour l'Acta Ion. Faudrait peut-être éventuellement que j'aille voir. Je sais plus si c'était peut-être même dans une vidéo avant. Alors UOD1, ça serait peut-être pas mal. Hein. Peut-être des UOD1 quand même. Treuil, bon, on s'en fout. Bloc diff activable. Pas de snorkel, mais ils sont là. Ok, donc ça veut dire que je vais aller me noyer. Bon, les petits réservoirs. Extension de cadre. Alors le problème, c'est que j'essaie de voir qu'est-ce que ça a fait. Extension de cadre. Veuillez installer une suspension appropriée. D'accord, donc je peux pas le voir. Mon avis, c'est verrouillé parce que j'ai pas la suspension. Oh mon Dieu, que c'est moche. Bah, ça passe encore, ça passe encore. Mais c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue. Aile d'usine. Ah, on peut mettre des ailes renforcées, mais quand tu mets l'autre kit, du coup, ça doit disparaître forcément. C'est là où le jeu plante, c'est que où il te fait deux réglages différents, on va dire. C'est en fonction de la suspension, parce que du coup, vu que ça rajoute un kit carrosserie, en fait, hein, la suspension. Donc, pour le moment, je ne vais plus dessus. Je ne peux même plus suivre les contrats de la première map. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive dessus? Ailes renforcées, ouais, on va peut-être les mettre. Hein. Ouais, vas-y, c'est joli, on va les mettre. Aile arrière. Ah, on peut mettre une grille arrière avec sûrement 6 emplacements. Da fuck. Sans déconner. Et voir que je regarde juste à quoi ça ressemble. Alors on peut mettre une roue de secours. Bon, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Pardon. On peut stocker des trucs là-dessus, comme ça. D'accord. Ok. Ouais, pourquoi s'emmerder, hein.
D'accord, il vole comme ça, il traîne sur le truc. Bon, il y a des sangles, mais. Ouais, ça me perturbe grandement, moi, je trouve, hein. Et là, on a deux emplacements. Ok. Toi, des phares qui y sont pas. Surtout pas me donner de l'essence. Voilà, il faut débloquer ça après calendrier de la vie sauvage. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est moche. Il y a un style rétro, mais c'est moche. Non, c'est moche. Ça passe à peu près. À peu près. À peu près. Vraiment à peu près. Hein. Les jantes, j'ai cru voir que tu as peut-être des jantes à toi, non? Non, pas terrible, hein. Ouais. Modif châssis. Il est en train de s'écraser en arrière. Plateau court. Kung, petit Kung. Bon, j'ai pas le truc, c'est normal. Module d'habitation, radar. Donc le module d'habitation va disparaître. Hein. Tu lui mets ça avec un Kung à l'arrière, mais il doit être complètement débordé, le pauvre. Non, c'est avec le plateau à rambarde. Le plateau. Ah bah, le plateau. Même le plateau est verrouillé. Même le plateau est verrouillé. Ah bah, d'extension de 4, ça doit être ça. Ça doit rajouter un truc à l'arrière pour que tu puisses supporter les deux places là. D'accord. Ok, réservoir de carburant. Ok, surveillez les animaux. Voilà. Finissez le jeu et vous pourrez vous amuser comme vous voulez. Voilà. Le réservoir de carburant est verrouillé. Verrouillé par une mission que bah tu sais pas quand est-ce que tu récupères. Le suivi est grisé, je peux pas les activer. Les activer? Les contrats, tu peux pas les activer? Ouais, c'est bizarre. Et atelier de réparation va également disparaître. Bon, ok, donc faut que j'installe une suspension pour avoir un truc. Suspension, je l'ai pas, hein, on a dit. Si, j'en ai une. Le kit d'élévation. Oh, c'est moche. C'est moche, mais c'est moche. Mais j'aurais bien voulu vous montrer éventuellement le. Bah, de toute façon, je peux l'acheter, mais je crois que ça va modifier mon tout ce que j'ai modifié là. Il va voir que je change. Normalement, ça va y garder, c'est bon. Divers réservoirs, c'est bon. Aile renforcée. On va les virer. On va tester, je voudrais bien voir cette histoire. Ah, aile d'usine. Hop, qu'est-ce que j'ai mis à l'arrière? Rien. Toit, rien. Avant, rien. Bon, bah, c'est bon. C'est bon. On va l'acheter. De toute façon, on peut la revendre. La suspade. Donc, on va tester. Je veux voir ce qu'ils ont fait avec. Module châssis, c'était là-dedans? Non. Extension, c'était dans quoi? Arrière? Non. Avant, divers. Oui, extension de cadre. Ah, ça a activé l'extension de cadre! D'accord, ça a activé automatiquement l'extension de cadre. Ok, bon, ça fait rien du tout en fait. Il penche en arrière, ça a l'air d'être dégueulasse. Ah, le Kung n'est pas. Ah, le Kung est verrouillé aussi, bah oui. Ah oui. Alors là, le camion, j'ai l'impression, est en train de s'écraser en arrière. C'est immonde. Immonde. Il y a une gestion du poids qui a l'air encore une fois un peu foirée, je pense. Parce que il est quand même aux deux tiers, on va dire, sur l'essieu central, enfin sur le centre. Ça me semble pas terriblement bien calculé votre histoire. Ok, bon, je vais peut-être le remettre en suspension normale, hein, surtout que j'ai dépensé 7000 balles, je vais plus avoir de quoi acheter quoi que ce soit. Ah oui, il remet les pneus de base. Ah ouais, vous voyez, les pneus, les jantes, c'est pas les mêmes que ceux que j'ai mis là depuis tout à l'heure. Oh la vache. C'est un truc de fou quand même, hein. C'est un truc de fou. Si, c'est bien les mêmes pneus. Il garde les mêmes pneus, juste pas les mêmes jantes. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et lui, tu peux lui mettre des UOD, des TAMHS là? Ouais. Si le jeu veut bien, parce qu'il rame du cul, c'est pas possible. Ah, il a des pneus dédiés, les UOD 4, j'avais pas vu. Ils sont pas mal. Hein. Bon, explorer la région pour le trouver. Faut explorer la région pour trouver des pneus, c'est. Ouais, bon, bah ça on peut pas voir, mais avec des pneus Taiga, c'est abusé. Là, les ailes peuvent éventuellement être correctes, faut voir. Ah, mais le jeu rame trop, hein. Le jeu rame trop, 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 trop. J'ai l'impression de jouer à un jeu série X sur PS2.
On déconne, il est censé tourner le jeu. Hein. Non merci. Je sais même pas ce que je vais faire avec. Bon, on verra. Bon, bah je pense qu'on l'a pas mal. Il reste les couleurs. On va regarder vite fait les couleurs et puis on va quitter là-dessus. Je vais regarder vite fait si je peux faire une autre mission assez rapide, une demi-heure peut-être. Le problème c'est que je vais pas trop savoir. Il y a des missions qui étaient beaucoup plus longues que d'autres, surtout aujourd'hui. C'est presque sympa ça, je trouve. Pour une fois qu'il y a ces couleurs là qui sont presque sympas, je sais pas, je trouve que ça s'associe pas trop mal. Ouais, des trucs, je sais pas. Le skin n'est pas dégueu. Hein. Le skin n'est pas dégueu, je trouve. Ça avec le noir qui se cale. Ouais. Je sais pas. Le skin me paraît plutôt sympa pour faire des mélanges de couleurs. J'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien, il est correct. Il est pas fou, mais il est correct. On dirait un camion Orangina comme ça. C'est assez marrant. J'aime bien. Bon. Eh ben allez, on va quitter la vidéo là-dessus. Au moins, j'ai débloqué le Afim. Ça n'a pas été facile. Encore une fois, il y a eu des trucs chiants, mais... surtout à cause, à mon avis, de la gestion du convoi, le fait que le camion recule pas, le fait que l'arbre, il passe pas au-dessus de l'arbre alors qu'il était largement au-dessus, des choses comme ça, mais voilà. Bon, il est débloqué déjà, donc c'est bien. Allez, on quitte ici.